Salut à tous les gars, c'est Tristan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des challenges. Et si je perds ce challenge, je vais devoir discard un de mes meilleurs joueurs sur FIFA. Donc à chaque fois je vais mettre en jeu un joueur de mon équipe Ultimate Team, du coup sur FIFA 21. Et puis on va faire un challenge avec Milo. Et si je perds du coup, bah, je vais devoir le discard ce joueur. Donc on a un challenge FIFA, un challenge foot IRL. Bah je vais vous laisser regarder, c'est parti. Bon Milo, est-ce que tu sais ce que c'est que ces packs là? C'est des packs. Non, t'es censé me dire non, Tristan, explique-moi. Non, bon Milo, est-ce que tu sais ce que c'est que ces packs là? Non, je ne sais pas. Donc c'est des packs 82-88. Donc ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir pas d'anime, une petite anime comme une grosse anime dans ces packs. Donc on peut avoir tout vraiment. Pour ce challenge là, je mets en jeu Mahrez 85 dans mon club. Et du coup, bah si je perds contre Milo, du coup là on a 10 packs, 5 packs chacun. Dans les challenges suivants, ce sera des plus gros joueurs. Celui qui a le meilleur joueur gagne. Le pack avec Alexandre. Allez. C'est parti, c'est des gros packs quand même. Oh, pas d'anime. Ah, petite anime, Bosnie. Buteur, Dzeko, 83, ok ça va, je peux avoir mieux que ça largement. Il est pas ouf, 59 de vitesse, il est pas vraiment utile. Premier pack pour moi, je vais ouvrir celui-là. Juste pas un 82, si c'est un 82. Pas d'anime. C'est un 82. C'est un 82. Oh, en plus c'est un goal. Et je l'ai déjà, attends, dis-moi que l'autre il est vendable s'il te plaît parce que... Oh my days, c'est vraiment le pire pack. Ok Milo à toi, pas d'anime, pas d'anime, pas d'anime. Ok, pas d'anime. Yes, 82. C'est là que je me rends compte que ces packs ils sont pas du tout cheatés. Encore un goal. Tu l'as déjà. Il y a vraiment moyen. Ouais, je l'ai. Dis-moi qu'il est vendable. Mais c'est ouf. Bon bah vas-y, j'en ouvre un autre. Là honnêtement, si on a encore un 82, c'est que ces packs ils ont un problème. Et ok, c'est une petite anime au moins. Allez, 84, espagnol. MC. C'est qui? Yes, Thiago, 85. Allez, allez, allez. Je discarde pas Mahrez ce soir. Ce matin plutôt. Yes. Ok, ok, pas mal. Là, faut que t'aies une anime pour me battre. Thiago, en vrai, 85, c'est pas mal du tout. Je me suis dit, c'est pas qu'ils sont douteux quand même. Pas d'animation, pas d'animation. Yes, pas d'anime. Yes. Ah non, ça peut être un 85 quand même. Non. C'est qui? Non, 85. Godin, non. Mais il est éclaté en plus. Yes. Il est éclaté, mais il est 85 quand même. Godin 85. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Attends. Non, en vrai, là, faut que j'ai une anime. Faut que j'ai au moins une anime dans ces packs. Non, pas d'anime. Oh, c'est une petite anime encore. Let's go. MC Wijnaldum. Non? Oh, c'est Van de Beek. Un peu éclaté, 83. Ouais, je l'ai déjà. Non. Dis-moi peut-être qu'il est vendable, poteau. Mais c'est fou. Deux packs restants chacun. Avant-dernier pack pour Milo. Yes, pas d'anime. Yes, 82. Éclaté non, au sol. Éclaté non. Au sol, Carrasco. Ça va, ça va. Il a la même carte que sur FIFA 16, quoi. Avant-dernier pack pour moi, c'est maintenant qu'il faut l'animation. C'est maintenant qu'il la faut. Pas d'animation. Non, 82. Oh, non. Mais c'est fou ces packs qui sont éclatés. Gosens. Ouais, je l'ai déjà, mais c'est horrible, mec. Tous mes joueurs dans mon club ils sont invendables. Allez, dernier pack. Dernier pack pour moi, les amis. Dernier pack. C'est le moment où je pack une anime. T'as pas droit. Oui, 80. Oh mais what? Mais non, mais là c'est éclaté. Là, les packs ils sont nuls. Hein. En plus. Non, quoi, c'est encore lui? On l'a déjà eu tout à l'heure. Là, c'était l'animation, tu ne discardes pas Mahrez. Tout repose là-dessus, les amis. Si j'ai une anime, je gagne. Même la plus pétée des animes. Je veux bien un Busquets. Oh non, petit anime. MOC, c'est qui? Ah, c'est Nengolan. Égalité. Ah, comment on fait? Je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va faire un pack chacun. Du coup, et celui qui a le meilleur pack juste sur les deux là, et bah il gagne. Bon, du coup, on va ouvrir un pack à 5K. Je pense que le vainqueur il va avoir un 76, l'autre un 75. Mais ouais, voilà. Même si je perds pas, ça va quand même me coûter 10 000 cette histoire. Déjà, si j'ai un rare, c'est un non rare. C'est un non rare déjà. C'est un non rare, je le dis, les amis. 79 Giro. Il a mis une retournée hier soir. Attends, mais on se rappelle quand même du pack. 79, 77, 75. 79 à battre pour Milo. Imagine, il a une anime. T'as pas le droit. C'est un non rare, ok? C'est un non rare comme moi. Oui, oui, la victoire. Ah non, parce la victoire. Que, imagine, genre... Non, mais t'as pas eu de 79. Non, mais t'as perdu. T'as perdu, grand. Je discarde pas Mahrez pour le premier challenge. Yes, Giroud me fait gagner dans ce challenge foot. Je mets ça dans le titre. C'est pas un challenge foot. En tout cas, on va passer au prochain challenge. C'est parti, là, ça va être un meilleur joueur. Ok, bon, les gars, on est un petit peu à contre-jour. Mais là, du coup, on se retrouve pour le challenge où on va essayer tout simplement de faire un trick shot. Donc, comme on voit derrière, il y a une bouteille sur la barre transversale. On va essayer de la toucher. C'est un trick shot assez simple. Donc, le joueur que je mets en jeu pour ce challenge, il s'agit de Ednesiri. C'est un SBC que j'ai fait. J'aurais clairement pas dû le faire, mais il est 86 de général. Donc, même si je le discarde et que ça vaut que 0, ça me fait techniquement perdre quand même pas mal de crédit. En gros, si Milo touche en premier la bouteille, bah moi je vais devoir le discard. C'est parti. Premier essai. C'est le moment de conclure. Hein. Non, non, non. Allez, aïe. Troisième essai, Milo, vas-y. Oh, la barre. Oh, j'ai cru qu'elle allait toucher. Désolé aussi pour le son qui est pas ouf, mais bon, on fait avec, il y a du vent. Oh, oh my day. Ça se rapproche, en vrai, on est fort. Oh non, vraiment pas du bon côté en plus de ça. Oh,
pas vraiment touchée, elle est tombée direct, donc on la prend par la compa. Oh, reprise de volée, non. Oh, non. Ok, moi aussi je vais tenter la reprise de volée. J'ai pris du tibia. Vous avez entendu, elle y va celle-là. Oh, oh non. Oh merde. Non. Ah, petit incident, on a cassé la GoPro je crois. Mais gros, c'est censé pour faire de l'aventure. Frère, déjà ça résiste même pas, hein. Pas choc, y a pas eu de choc. Oh mais c'est la batterie en fait, elle est sortie. Non ça va, juste la batterie en fait, elle était ressortie. C'était ouf. Je pense que ça rase le bouchon. Moteur allemand. Vas-y, on va conclure hein. Les amis, quand on rate dans la vie, il faut toujours réessayer. Let's go, let's go. Aïe aïe aïe. Vas-y. Yo, veux que je fasse du foulard, on va le faire. T'es à bonne hauteur. Allez, c'est maintenant, c'est maintenant. Oui. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Donc là je l'ai mis, honnêtement c'est un peu dessus la barre mais ça compte. Mais comme j'ai commencé en premier, Milo il a un essai, du coup t'as qu'un seul essai. Let's go. Vas-y, la mets. Oh, oh la barre. Du coup Milo a raté, du coup je garde N et Siri. Ok, nice. La dernière frappe. Oh là 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 là. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors je vais pas vous mentir, par contre il y avait un troisième challenge normalement que j'avais fait, c'était encore une fois sur FIFA, c'était un challenge où je devais avoir une draft à 189 je crois. Sauf qu'après le tournage j'ai un petit peu réfléchi, je me suis dit c'est pas super intéressant à regarder en vrai de vrai. Du coup bah je me suis dit on va s'arrêter là. J'ai perdu le challenge, voilà, j'ai pas réussi, donc j'ai bien discard de joueur quand même. Je vous mets la vidéo maintenant quand je le discard. Donc je suis honnête, voilà, je le mets pas dans la vidéo mais je vous le montre quand même. Je l'ai vraiment discard, en plus c'était un futur star que j'avais packé, j'avais un peu le seum. Mais les challenges que j'ai fait contre Milo, je les ai tous les deux gagnés. Je crois que c'était plus arrivé sur ma chaîne YouTube depuis le challenge acrobatique en 2017, vraiment. C'était pas non plus extrême, mais voilà, j'espère que ça vous a plu quand même. Si ça vous a plu, bah mettez un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis voilà, c'était Tristan, je vous dis à la prochaine. On se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao.